abonnez-vous massivement, abonnez-vous na Malwemba TV, Malwemba TV, Iloengi, Malwemba TV, Tintok, Tatumtom. La situation des déplacés et des réfugiés en République démocratique du Congo était au menu de l'entretien que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu avec le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie. Pour le numéro 1 du HCR, des solutions durables à cette situation passent par des échanges entre la RDC et ses voisins. Le HCR, qui apporte le secours aux réfugiés, s'est dit prêt à intervenir en faveur de ces échanges, a dit le haut-commissaire des Nations Unies. Mais le HCR peut faire beaucoup, comme on l'a fait depuis des décennies en fait. Le HCR peut faciliter ses contacts au niveau technique, peut proposer des solutions et peut appuyer ces solutions, que ce soit sur le plan de la documentation ou surtout, très important, je l'ai dit au président Tshisekedi, mobiliser des ressources supplémentaires pour que, par exemple, la réintégration des gens qui retournent soit plus solide et plus durable. C'était très constructif. Il a répété que, bien sûr, les réfugiés congolais qui sont partis à l'étranger sont les bienvenus, qu'il n'y aura aucune mesure contre les personnes qui éventuellement auraient fui le pays pour des raisons politiques. Il a souligné que il fallait que les programmes de réintégration soient bien soutenus par la communauté internationale également. Et on est bien sûr été complètement d'accord sur le fait que il faut que il y ait pacification, il y ait sécurité dans les zones du pays qui ont produit le plus de déplacements, soit internes, soit à l'extérieur, donc l'est du pays et le Kasaï en particulier. C'était la première rencontre naturellement avec le président Tshisekedi, et on a discuté bien sûr de la question qui relève de mon mandat, qui est la question des réfugiés. Donc le Congo est un pays qui héberge un très grand nombre de réfugiés, plus qu'un demi-million de différentes nationalités des pays voisins. Mais le Congo est aussi un pays qui a malheureusement produit des réfugiés, à peu près 800-850 000, qui se trouvent dans ces mêmes pays voisins. Donc il est question d'une collaboration plus étroite entre la RDC et les pays voisins pour voir comment on peut trouver des solutions pour toutes ces personnes qui se trouvent déplacées de leur pays. Toujours à la cité de l'Union africaine, à Addis Abeba, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. L'entretien a tourné autour des questions liées à la situation de paix et de sécurité en République démocratique du Congo et celles relatives au développement durable au pays. Le secrétaire général de l'ONU a félicité le président de la République pour son élection au suffrage direct le 30 décembre 2018. Jésus-Christ est Seigneur, vraiment Seigneur, pour l'éternité. Aïe, 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 aïe. De s'abonner. Malwemba TV, plein de vous, avec vous, pour vous, pour le Dieu, avec Dieu, pour Dieu. La promotion de toute œuvre spirituelle, l'œuvre chrétienne, c'est nous.